Mais la question de fond qui est posée pour moi reste le mouvement populaire, le tous ensemble qui doit se développer. Fabien Thiémé, c'était la politique à l'ancienne et ça ne lui déplaisait pas d'ailleurs de l'admettre. Beaucoup de bonhomie, beaucoup d'humanité, un contact chaleureux, un attachement viscéral à sa ville, à son territoire, à ses habitants. L'an passé, en pleine crise des Gilets jaunes, Fabien Thiémé est le premier maire à ouvrir des cahiers de doléances. Je suis un élu de terrain. En permanence, je vais dans les quartiers, dans les associations. Et tous nous disent, monsieur le maire, on sait que vous êtes notamment très proche de nous, mais soyez à l'initiative. On veut qu'il y ait un large rassemblement. On veut être entendu. Mais Fabien Thiémé, c'était aussi un combattant redoutable, une bête politique, rude avec ses adversaires, rude aussi avec son propre camp, méfiant dès qu'il s'agissait de trop s'éloigner de la doctrine. Fabien Thiémé aimait dire qu'il était né communiste. Son père était un héros de la résistance. Au PC, il mène tous les combats, municipales, départementales, législatives, européennes. Ses nombreux duels avec Jean-Louis Borloo sont homériques. Il y aura d'un côté l'avocat d'affaires et en ce qui me concerne, eh bien oui, moi, l'avocat du peuple. Mais Fabien Thiémé est du genre à ne jamais rien lâcher. En 2008, à la troisième tentative, il devient maire de Marly. On n'oublie pas les 58 voix d'écart d'il y a 7 ans, les 161 d'il y a 12 ans. Et j'en passe et des meilleurs. Pour vous, c'est une sorte de revanche personnelle ? Bon, je ne parlerai pas de revanche. Je parlerai tout simplement de transformation d'un bel essai. Quoi. Fabien Thiémé devait annoncer sa candidature pour 2020 à la cérémonie des vœux. Il se posait beaucoup de questions à propos de cette nouvelle campagne qu'il savait difficile. La réponse est brutale, mais pas dénuée de panache. Je fais appel à votre service du sens public.